De retour dans Resident Evil Village, alors de retour beaucoup plus rapidement que ce que je n'aurais cru, parce qu'en ce moment je suis très occupé sur Assassin's Creed Valhalla et son DLC La Colère des Druides, mais j'ai vu pas mal de questions se portant sur comment démarrer un New Game Plus dans Resident Evil Village. Alors, c'est pas forcément difficile, mais comme beaucoup de petits détails des fois dans le jeu, bah c'est pas forcément évident, donc je vais vous montrer. La première chose, c'est qu'il faut terminer le jeu. Je vais vous reprendre un let's play que j'ai fait, où on me voit faire la première manip qui consiste à, quand vous terminez, le jeu vous propose de sauvegarder. Donc vous allez sauvegarder à un endroit, et c'est cette sauvegarde qu'on va utiliser pour pouvoir lancer New Game Plus. Et voilà. Ouais, c'est avec Chris, hein, le vrai challenge. Et un petit peu Isengard. Et voilà. Ah, j'ai été trop vite. Je pense qu'on verra, on verra le temps. Je vais faire une pause, hein, pour... J'ai cliqué trop vite sur le truc. Vous avez vu le trophée qui est tombé, hein, on était bien en bonne... Une fois que vous avez sauvegardé, vous revenez au niveau du titre du jeu et vous allez faire charger une partie. Moi, ce que je fais généralement, je me mets ma dernière partie tout à la fin. C'est la sauvegarde numéro 20. Voilà, on le voit ici. C'était ma dernière, mon dernier try. On peut voir que j'ai joué 5 fois, c'est-à-dire que j'ai recommencé un certain nombre de fois sur une même sauvegarde, ce qui vous permet, un, de garder votre inventaire, mais également votre argent et tout ce que vous avez fait, c'est-à-dire que toutes vos améliorations d'armes, même si vous avez vendu vos armes, vous retrouvez chez le marchand en rachetant l'arme, toutes les améliorations qu'il y a dessus. Donc vous cliquez dessus, et vous choisissez n'importe quelle difficulté, c'est-à-dire que vous pouvez très bien commencer en hardcore, puis faire 3 fois le jeu en facile et puis terminer par Village des Ombres et revenir ainsi de suite. Donc voilà comment vous démarrez un New Game Plus dans Resident Evil Village. Voilà, en espérant que ce petit retour au jeu vous aura aidé. Bon jeu à tous.